Il y a la place des femmes. La place des femmes aussi. Aujourd'hui, on a encore une faible représentation des femmes en politique. Moi, je me suis engagée, je suis maman de 4 enfants, imaginez. Donc j'ai pu le faire. Ça veut dire que d'autres femmes peuvent le faire aussi. Je vous dis que c'est possible. Levez-vous, ne vous laissez pas dire le contraire et sachez que quoi que ce soit que vous souhaitez entreprendre dans cette vie, dans notre société, vous avez la force nécessaire, vous avez le punch qu'il faut. Partez avec vos rêves, ne les laissez pas de côté, mais allez les explorer, allez les créer et faites en sorte de changer le monde. Mon expérience en politique, je le pensais fortement avant de m'engager, en me disant, bon, si j'ai quelque chose à dire, si je veux que des messages importants et des choses bougent au sein de la société, il va falloir que je devienne partie prenante de ça. Et un des endroits où ça peut se passer, c'est en politique. Donc il est clair que les changements qu'on peut opérer en politique sont importants, ils sont cruciaux. Hein. Et moi, quand je regardais, je me souviens, donc c'était en France, quand je regardais les hommes et les femmes politiques à la télévision, je me disais, mais il n'y en a aucun qui me ressemble. Ça veut dire quoi, ça? Il n'y en a aucun qui pourra porter ce que moi, j'ai envie de porter. Alors je me suis dit, tiens, moi, je vais y aller. Je vais aller dans l'arène et je vais aussi porter un message donc, pour ceux qui me ressemblent aussi, parce que c'est important, et aussi, bien évidemment, plus largement pour toute la population. Mais c'est important qu'on puisse trouver des modèles, qu'on puisse trouver des hommes et des femmes vers lesquels on a, j'allais dire, une attirance naturelle, où les discours, on les sent pas, des discours de langue de bois, mais des discours qui sont réels. Parce que l'expérience, on sent que ces personnes-là, cette expérience, ils l'ont, ils peuvent la partager avec nous.